Il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami. Il est Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En unisson de cœur et d'esprit, avec tous nos anges gardiens et avec tous les saints et saintes du ciel. Seigneur, encore en ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour cette nuit que tu nous as donnée. Merci encore de nous réveiller ce matin. Merci pour nos bouches qui te louent en ce matin. Merci pour nos âmes. Merci pour nos yeux. Merci pour nos mains. Merci pour nos cœurs, pour nos âmes et nos pieds. Merci de réveiller nos maisons en ce matin. Merci pour chacune de nos familles, pour nos foyers et pour nos différentes nations. Éternel Dieu, éternel Roi, il convient que nous puissions te rendre grâce, te dire merci pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie. Toi qui veilles sur tout un chacun de nous, toi l'ami fidèle de nos âmes, toi l'ami fidèle de nos nations. En ce matin, tu nous appelles à la générosité. Que nous soyons pauvres de cœur, que nous soyons des âmes qui donnent sans compter. Que nous soyons des âmes qui chérissent tout ce que tu nous donnes comme grâce et bénédiction. Tu veux que nous soyons des âmes qui allons à la rencontre de l'opprimé, du rejeton. Tu veux que nous soyons des âmes qui allons vers le pauvre pour lui donner de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Et en ce matin, c'est avec Marie que nous te prions, toi l'ami fidèle, que nous te demandons en cette journée particulièrement de venir nous réapprendre à cultiver une âme généreuse, que nous soyons véritablement des âmes charitables, des âmes qui ont le souci du prochain et qui prennent conscience du besoin du prochain. Toi qui veilles sur tout un chacun, qui veille sur nos maisons, qui veille sur le pauvre, qui veille sur le nécessiteux, nous te prions par Marie, réapprends-nous à donner, à partager comme toi et comme l'ont fait nos pères. Nous t'en prions. Il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami. Il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus s'en va. De jour de nuit, qu'il pleut.
ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. En ce matin, cet ami vient frapper à la porte de ton cœur. En ce matin, cet ami vient appeler ton âme à la générosité. En ce matin, cet ami vient appeler ton cœur à être généreux. En ce matin, cet ami vient te dire, mon fils, ma fille, j'ai besoin que tu ailles faire du bien à ton frère, que tu ailles faire du bien à un malade, que tu ailles faire du bien à une famille. Celui qui veille sur toi jour et nuit, celui qui ne t'a jamais tourné le dos, celui qui n'est jamais sourd quand tu l'appelles, celui qui ne ferme pas les yeux sur les situations que tu traverses, te dit « J'ai besoin de toi en ce matin ». De la même façon que tu m'appelles au secours, en ce matin, moi j'appelle ton âme au secours. Va visiter ton frère. Va visiter celui qui t'a fait du tort et à qui tu as du mal à pardonner. Même si tu pars que tu n'as pas les mots, un simple regard suffit. Le regard de Jésus-Christ. Alors cet ami a vraiment besoin de toi en ce matin. Alors laisse-le prendre tout simplement le contrôle de ta vie et de tes pensées en ce matin, l'ami fidèle. Quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa joie. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verser son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Alors bien-aimé, tout simplement ce matin, je te laisse avec ces paroles. Laisse-toi tout simplement envahir par la présence de notre Seigneur qui ne veut que te faire du bien. Alors saisis cette occasion encore pour aller faire du bien encore avec lui, pour aller te réconcilier, pour réapprendre encore à vivre avec lui, pour réapprendre à faire du bien à ton prochain, pour réapprendre à marcher avec lui, tout simplement. Alors quand ce matin qu'il te fasse du bien, par son Saint-Esprit, qu'il te visite de là où tu es, et que Maman Marie te donne de rentrer dans tout ce qu'il a prévu pour toi, pour ta maison et pour tout ce dont tu as besoin. Et c'est dans cette atmosphère-là que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.